Alléluia. Alléluia. Yasuka, en fait, tu prendras la direction de ton cœur. Donc, Ezu. C'est-à-dire, Ezu, quand on a un désordre, et quand on a une balle perdue, j'aime pasteur Walo Moutsenga, parce que tant au bois. Parce que au bois, quand on a bongo, tombe la bien. Là, c'est sans musique. Hein? Ah, ok. Tombe la bien. Ah, mon papa, c'est bien. Je vois. Montre qui te ou ta Lola et tumba misa. Y a-t-il quelqu'un pour très bien acclamer pour le Seigneur? Y a-t-il des acclamations dans la maison? Est-ce que maboko makasi pour nankolo? Maboko makasi. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Lui qui vit et règne éternellement. Il possède la vie de par lui-même. Il se suffit à lui-même. Le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qui mérite l'honneur, qui mérite la gloire, qui mérite nos cris de joie, qui mérite nos cris d'acclamation. Alléluia. La gloire soit rendue à Dieu. Et la gloire se répande dans sa maison. Veuillez replacer vos places, que Dieu vous bénisse. Remercions et bénissons le frère Kalambay avec son équipe. Ça fait du bien d'être entraîné dans la louange, dans l'adoration. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous sentons que la bénédiction augmente chaque jour. Je voudrais dire à quelqu'un qui est assis quelque part que Dieu te bénisse. Je voudrais répéter à quelqu'un que Dieu te bénisse. Et que cette bénédiction affecte positivement ta vie. Que ta vie porte l'épreuve de la bénédiction qui vient d'en haut. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 9. Nous sommes dans la tranche de la transfiguration. La connexion avec Christ glorifié. Avec la puissance transformatrice. Pour que notre vraie face spirituelle soit reflétée. Que ceux qui t'ignoraient te connaissent autrement. Que ceux qui ne t'ont pas connu, qui t'ont confondu, puissent réaliser qui tu es réellement et quelle est ta capacité réelle. Parce que Dieu étant ta source, tu n'es pas notre
n'importe qui. Chapitre 9, Évangile selon Luc, verset 28 et le suivant. Nous lisons ceci. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses deux compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Je peux entendre l'amen de quelqu'un. Quelqu'un est-il présent avec un amen de renfort? Est-ce qu'il y a un amen vivant dans l'assemblée? Dans la transfiguration, tout est exagéré. Il y a un amen d'exagération. Que Dieu te transfigure pendant que tu dis cette parole. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes donc pendant ce temps en train de parler de l'importance de la transfiguration. De ce que ça signifie dans notre vie. Jésus amène les disciples, 3 disciples sur la montagne. Et pendant qu'il était en train de prier, brusquement quelque chose arrive. Ceux qui étaient endormis se réveillent. Se rendent compte qu'ils n'avaient pas affaire à un jeune homme qu'ils avaient rencontré au bord de la mer de Galilée. Ils avaient affaire à quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissaient pas très bien. Que le visage commence à briller. La blancheur attaque même les habits. Et tout en lui était lumière. En train de briller. Oh, je n'ai pas peur des petites pauvres lumières qu'on vend aux gens avec des médaillons. Il y a une véritable lumière devant laquelle le soleil ne peut pas tenir. Aucune autre lumière ne peut tenir devant cette lumière-là. Et si celui-là vit en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois devenir témoin de la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de témoin de la gloire de Dieu. Comment nous pouvons être témoin de la gloire de Dieu? Témoin de cette gloire dans la vie. Témoin de cette gloire dans les différents aspects de ta vie. Il est malheureux d'être témoin d'un accident.
Il est malheureux d'être témoin d'une guerre. Il est malheureux d'être témoin de choses qui affectent négativement ta vie. Mais si tu as la grâce d'être témoin de la gloire de Dieu, tu as la possibilité de naviguer dans cette gloire, de parler de cette gloire, de vivre de cette gloire, de témoigner cette gloire, de vanter cette gloire, d'élever cette gloire et d'affecter ton environnement par cette même gloire. L'environnement peut être affecté par les témoins. Quelqu'un qui veut être, qui vient d'être témoin d'une scène et qui commence à parler, ne fait que transposer cette scène de là où il l'a vu jusque dans les gens chez qui il est en train de parler. Quand quelqu'un parle d'un événement, les choses qui concernent cet événement-là sont transférées de l'événement à Ilio jusque dans la vie de ceux qui entendent l'événement. C'est ce que Jean appelle la communion. L'accès. Notre communion est avec Dieu et nous vous annonçons ces choses. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, afin que vous aussi vous soyez en communion. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons être témoins de la gloire de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a affecté ta vie. Quel est le témoignage que tu portes dans ta vie? Je viens t'apporter l'alternative du témoignage de la gloire de Dieu. Jean-Jacques et Pierre, ils étaient témoins de la gloire de Dieu. Et cette gloire a affecté leur vie différemment. Même quand vous les lisez, vous sentez que ceux qui étaient témoins de la transfiguration avaient un peu quelque chose de plus que ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est important que nous puissions le saisir. Jacques, d'ailleurs, nous pouvons rapidement ce que Pierre est en train de dire. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1. Verset 15 à 17, on nous dit ceci. 2 Pierre chapitre 1. Verset 15. Mukana mibale ya petelo zela liboso. À 17. Il est en train de dire: cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours de ces choses. En effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait: voici mon fils bien-aimé qui a fait toute ma joie. Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quelqu'un peut dire amen. 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 Jean, de son côté, le dit. Jean, au chapitre 1 toujours. J'aimerais que nous puissions lire ce témoignage avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je suis sûr que quelqu'un va être envahi par la gloire de Dieu et il ira témoigner ça ce soir, que quelque chose s'est passé là où je suis parti. Jean dit ceci dans, au chapitre 1er, verset 14 de son évangile. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous parlais lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses
Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi est venue et si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Voilà les gens qui ont vu la gloire de Dieu. Ils ont un langage différent. Ils ont un langage différent. Et lorsque tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, ça va affecter ta manière de penser. Oh, je suis convaincu. Le temps est venu de remplacer le ton du témoignage dans ta vie. Parce que la pauvreté va céder sa place. Tu as longtemps été témoin de la pauvreté. Et tu as parlé d'elle partout où tu es passé. Mais là, tu seras témoin de la délivrance et de la richesse de Dieu. Et tu parleras d'elle partout où tu passeras. À l'époque où la parole de Dieu était écrite, à cette époque-là, on n'appelait pas n'importe qui témoin. Quand quelqu'un était désigné comme témoin, surtout en matière de choses divines, donc il avait quelque chose un peu de mystérieux. Donc quand on dit celui-ci c'est un disciple, mais là c'est un témoin. Le témoin avait un rang supérieur à tous les autres, parce qu'il a accès à un certain nombre de mystères. C'est comme, c'est l'honneur dont jouissaient aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'ils étaient même appelés des voyants. Ils avaient accès à un certain nombre de mystères. Je suis convaincu. Dieu veut repositionner quelqu'un dans sa vie. Et que tu n'aies pas simplement le témoignage de comment les choses ne marchent pas, mais tu aies un témoignage de comment les choses ont changé brusquement et ont commencé à marcher. Que dans ton langage, ne sois pas simplement témoin des échecs, mais témoin aussi comment les échecs ont disparu, ont fait place à la victoire. Dieu veut t'amener à un niveau pour te positionner afin que tu voies quelque chose et que tu aies quelque chose à dire. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, il y a quelques grandes étapes pour être un véritable témoin de la gloire de Dieu. Il y a au moins grandes étapes ici. Quatre grandes étapes pour devenir témoin de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intervention miraculeuse de Dieu dans votre vie. Quatre grandes étapes. La gloire de Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre, mais il y a des étapes où nous pouvons nous retrouver en train de vivre cela. La première chose qui est importante que vous devez noter et que nous retrouvons dans le texte que nous avons lu de Luc. La Bible dit que Moïse, Élie, était en train de s'entretenir avec Jésus-Christ. Et l'entretien tournait autour de la mission. Autour de la mission que Jésus devait accomplir. Donc cette gloire-là se précise dans le cadre d'une mission. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la gloire de Dieu accompagne la mission. Vous devez vous engager à la mission pour voir la gloire de Dieu. Pourquoi?
Parce que c'est lui qui vous envoie. Comme c'est lui qui vous envoie, il doit garantir le succès de cette mission-là. Il doit garantir la victoire de cette mission-là. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le succès des brebis, s'ils sont dans une mission, ils sont dans une mission envoyée par les bergers. Et cette mission va toujours provoquer la gloire de celui qui les a envoyés sur le terrain. Retenez bien aimé dans le Seigneur que la gloire de Dieu ne se manifeste pas pour rien. Elle se manifeste dans un cadre bien déterminé. Et le cadre là, c'est le cadre de la mission. C'est pourquoi il nous a dit, allez par toutes les nations, faites des nations de disciples. Dans le cadre de cette mission-là, nous avons tout intérêt de croire que Dieu va se glorifier. Parce que dans le cadre de la mission, tous ceux qui se sont engagés, ils ont vu la gloire de Dieu. En fait, Moïse, s'il a vu la gloire de Dieu, c'est à cause de la mission. Dieu l'a attiré parce qu'il voulait l'envoyer. Moïse a vu le buisson en train de brûler. Ça ne se détruisait pas. Il s'est approché. Il a vu la gloire de Dieu. Mais c'est parce que Dieu voulait attirer à une mission. Et quand il est allé en mission, il a vu la main de Dieu en Égypte. Il est toujours parti. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. À un moment donné d'ailleurs, il a même demandé à Dieu pour aller à la terre promise. Ne nous pas. Moi je n'irai pas, nous ne quitterons pas ici. Je vais voir ta gloire. Et Dieu lui a proclamé la gloire en disant qu'il est le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il allait accompagner ce peuple-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la mesure où nous nous engageons comme missionnaires dans notre vie sur terre que nous verrons la gloire de Dieu. Parce que la mission, c'est le terrain où la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es missionnaire dans ton entreprise, tu n'es pas un simple comptable qui va faire la comptabilité et recevoir un salaire à la fin du mois. Mais tu sais que tu es représentant de Dieu là où tu es. Et que tu dois défendre ses intérêts. Tu verras la gloire de Dieu dans cet endroit-là. Parce que tu t'engages à transformer ce lieu comme étant un terrain missionnaire. Élie avait fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Mais quand est-ce qu'il a vu la gloire de Dieu? Il a vu la gloire de Dieu quand il est fatigué. Il a même fouillé un moment donné. Dieu l'amène à la montagne. Il l'a amené à la montagne, il dit, tu te caches dans les rochers là-bas. Il a attendu de voir Dieu dans le feu, il ne l'a pas vu. Dans le tremblement, il ne l'a pas vu. La gloire de Dieu est venue dans un bruit léger. Mais c'était pour lui donner une mission. Et à partir de maintenant, tu vas oindre tel roi, et puis tel autre prophète à ta place. Il a fait des miracles. Mais une gloire de Dieu particulière lui est apparue dans le cadre d'une mission particulière. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu, engagez-vous à vous comporter comme un missionnaire. Le terrain sur lequel tu te trouves est un terrain de la mission.
Et si tu ne perds pas ton temps, tu te comportes comme un missionnaire, tu verras la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Chaque fois que Dieu a déclenché sa gloire, c'est en rapport avec la mission. Pierre était dans la maison d'un autre Simon. Il attendait de manger. Il avait faim. Il s'est dit, je vais d'abord prier. Pendant qu'il priait, la gloire de Dieu se manifeste. Une vision, il tombe en extase. Il avait reçu l'autorisation d'avoir les clés. Là où il devait ouvrir, la maison devait être ouverte. S'il ferme, ça devait être fermé. Sur lui et sur la parole de Dieu, avec lui, Dieu voulait bâtir son église. C'est dans le cadre de cette mission-là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a vu les paniers descendre avec des reptiles. Prends et mange. Non, je ne peux pas prendre ça. Rien de pur ne peut entrer en moi. Et il entend la voix qui lui dit, c'est ce que Dieu a déclaré pur. Toi, tu ne peux pas déclarer ça impur. Parce que Corneille, tu crois qu'il est impur, mais moi je pense qu'il est pur. Et tu vas aller chez Corneille pour lui parler. Et Pierre lui-même dit que pendant qu'il parlait, il voit la gloire de Dieu se manifester dans l'assemblée. Bien-aimé, c'est sur le terrain missionnaire. Ce n'est pas en étant chez toi calme, mangeant ce que tu veux manger. Là. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Tu vas voir la gloire là, pourquoi? Mais c'est quand tu es dans le cadre de gagner les gens, de marcher pour l'intérêt du royaume, que tu vas voir sa gloire. Paul avait fait beaucoup de miracles. Mais avant de les faire, il était un ouvrier de Sanhédrin avec le rôle d'aller arrêter ceux qui parlaient au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a vu la gloire de Dieu qui s'est manifestée sur le chemin de Damas, il a reçu la mission d'aller et il n'a jamais changé. Lui-même qui était là où on a tabassé les gens. La gloire de Dieu tellement dans sa vie ne l'a pas empêché de se faire rejeter aussi. Il n'a jamais quitté. Les chrétiens sont tous envoyés pour faire des nations de disciples. Mais tous nous ne sommes pas engagés. C'est pourquoi tous nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu de la même manière. Jusqu'à ce que nous transformions les lieux dans lesquels nous vivons comme un lieu missionnaire. Moi, je ne crois pas que les missionnaires, c'est seulement ceux qui vont dans la forêt équatoriale pour évangéliser les... Non, je ne crois pas que c'est ça. La mission n'est pas tellement géographique. Vous devez savoir que vous êtes PDG. Dans cette institution-là, vous êtes missionnaire. Si vous vous engagez à servir Dieu, dans ce terrain-là, vous allez voir sa main. Les gens vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Tes prières en ce lieu-là seront plus que les autres collègues. Vous pouvez être dans un pool de secrétariat, mais vous n'êtes pas les mêmes. Les uns font une chose et toi, fais autre chose. Sur ce terrain-là, tu pries pour les gens. Sur ce terrain-là, tu intercèdes pour l'entreprise. La gloire de Dieu se manifestera. Parce qu'elle ne choisit plus des lieux. Elle choisit des lieux missionnaires. Jésus disait à la femme samaritaine, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, où l'on adorera Dieu, parce que Dieu est l'esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et là où il est adoré, sa gloire se manifeste. Et
Bien aimé dans le Seigneur, considère que ta famille est un lieu missionnaire. Et tu verras la gloire de Dieu arriver dans cette famille. Considère que ton lieu de travail est un lieu missionnaire. Considère que ton voyage que tu fais là est un voyage missionnaire. Tu vas au nom des affaires, mais tu fais un voyage missionnaire. Considère que partout où tu passes, Dieu te fait déplacer comme un missionnaire, un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Quand tu mets en tête cette pensée là, alors tu es prêt à passer à la deuxième étape. Si tu t'engages à vivre comme un missionnaire de la part de Dieu, que tu es en mission. Vous savez, les gens qui sont en mission, ils ne perdent pas leur temps. Ils ont un temps bien calculé. La mission est pour une semaine, pour deux semaines, et chaque mission a des objectifs bien déterminés. À la fin de la mission, tu dois faire un rapport. Si tu prends ta vie comme une mission que Dieu t'a donnée, tu sais qu'un jour tu vas lui rendre compte de combien d'années tu as consommé, de ce que tu as fait de ces années-là. Si tu as ces soucis-là, de marcher dans les objectifs de Dieu, je te préviens que tu verras la main de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Ça, c'est déjà le premier terrain. La deuxième étape, où la gloire de Dieu se manifeste, c'est ce nom. Nous avons lu que le Seigneur Jésus, quand il a pris ses disciples, ils sont allés, il était en train de prier. Et sa prière était en rapport avec la mission. Ce n'était pas n'importe quel type de prière. Cette prière était liée à la mission. Pourquoi la gloire qui s'est manifestée, Moïse et Élie sont venus parler effectivement de la mission. Bien aimé, nous pouvons prier pour nos habits. Nous pouvons prier pour notre travail. Nous pouvons prier pour notre santé. Nous pouvons prier pour toutes ces choses-là. Dieu peut nous les donner. Mais si nous voulons voir de manière particulière la gloire de Dieu, notre communion avec lui, c'est la prière que nous faisons en rapport avec notre mission. La prière que nous faisons en rapport avec notre mission. Parce que nous avons plusieurs raisons de prier. Mais la mission doit constituer la raison fondamentale pour laquelle nos prières invitent la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont sur le terrain missionnaire ne voient pas la gloire de Dieu de la même manière. Seulement ceux qui passent du temps dans la prière et par rapport à leur mission voient cette gloire de Dieu. Alors laisse-moi ouvrir une parenthèse ici. Quelles sont les qualités d'une prière qui provoque la gloire de Dieu? Quelles sont les qualités d'une prière qui provoque la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu enseigner. Vous preniez vos carnets, vous notez ces choses parce que c'est des choses que vous allez pratiquer vous-même pour votre propre vie. Les qualités d'une prière qui provoque la gloire de Dieu. La première chose, c'est une prière de consécration. Une prière de consécration provoque la gloire de Dieu. Vous savez que notre Seigneur Jésus, il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice.
Je ne sais pas si vous le savez. Il est le sacrificateur. Mais quel est le sacrifice que ce sacrificateur a sacrifié? Lui-même. Donc nous aussi. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Offrez vos corps comme des sacrifices. Ça veut dire que notre vie doit être à la fois l'autel de sacrifice et le sacrifice. Ta vie, ton corps doit devenir à la fois l'autel de sacrifice et même le sacrifice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on offrait des sacrifices, on l'offrait toujours sur l'autel. On coupait la viande et on mettait sur l'autel. Et la gloire de Dieu, le feu qui descendait, brûlait l'autel. Et si tu veux que le feu de Dieu descende sur ta vie, tu dois consacrer ta vie à Dieu. Tu dois consacrer ton corps. Dieu, tu dois consacrer tout ce que tu as à Dieu et tu dois faire des prières par rapport à cette consécration-là. Oh Seigneur, mais voici, je suis entouré de beaucoup de choses qui m'entraînent à faire le mal. Mais moi, je vais vivre pour toi. Je vais vivre pour toi. Je suis tenté dans plusieurs domaines, mais c'est à toi que je remets ma vie. Je veux que tu me contrôles. Je veux que tu me soutiennes. Je veux que tu me fortifies. La puissance de Dieu viendra agir dans ta vie parce que tu es en train de prier à ce Dieu-là. Si l'ange a attendu le sacrifice qu'on était en train de préparer, l'ange attendra aussi ta prière. Quand tu veux que ta vie soit préparée pour lui être agréable. Nous avons plusieurs sacrifices que nous devons faire. Nous pouvons faire le sacrifice de notre argent. Nous pouvons faire le sacrifice de notre bien. Mais n'oublions pas que nous-mêmes, nous devons être à la fois l'autel et le sacrifice. Mon corps doit être un autel sur lequel le Saint-Esprit vient brûler toute forme de sacrifice. Je prie que ton corps devienne le terrain sur lequel plusieurs sacrifices seront offerts. Si Dieu a choisi un buisson, un buisson ardent, ce n'était même pas un arbre fruitier. Pour attirer Moïse, il veut choisir aujourd'hui ta vie. Ta vie pour attirer les grâces de Dieu. Afin que les gens du dehors commencent à voir. Ah, mais cette jeune fille-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Ce jeune homme-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle est belle comme tout le monde, mais elle ne fait pas comme tout le monde. Qu'est-ce qu'elle résister. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que la gloire de Jésus. Parce que l'endroit a été consacré. Aujourd'hui encore, l'Église a besoin des gens qui se sont consacrés. L'Église a besoin des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants que nous sommes afin que la gloire de Dieu puisse se poser. Bien-aimé, quand vous faites un sacrifice financier, un sacrifice financier. Vous avez offert. Ce que vous avez offert devient une base sur laquelle Dieu peut actionner votre bénédiction matérielle. Si cela est vrai pour ce que vous donnez, cela est vrai aussi pour votre corps. Parce que la Bible dit que le corps est au Seigneur. Et si vous passez du temps
à prier pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous. Vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Je vous préviens qu'il va l'utiliser. Les dons spirituels se sentiront à l'aise pour se manifester. La parole de connaissance viendra librement. Les dons spirituels vont agir librement parce que votre corps lui est déjà fait. Des fois, vous vous posez des questions. Comment un tel est en train de travailler comme ça pour Dieu? C'est parce qu'il a livré son corps comme un sacrifice. Comme et Dieu se sent à l'aise d'atterrir à ce niveau. J'ai vu des gens dans une vision que Dieu m'a donnée, engagé et déterminé à faire le contraire de ce que la jeunesse était en train de faire. Ils ne suivaient pas tout ce que les jeunes faisaient. Oh, je me suis rappelé alors que le Seigneur a promis que dans les derniers temps je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, ils prophétiseront parce que déjà le corps sera acquis au changement comme des autels livrés à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a la jeunesse qui est envahie par la magie et l'occultisme. Mais Dieu garde encore, même dans cette génération, même dans cette ville, les jeunes qui sont engagés, qui ont dit à Dieu, mon corps est pour l'éternel. Qui ont dit à Dieu, mon intelligence est pour Dieu. Qui ont dit à Dieu, ma vigueur est pour Dieu. Je t'offre vie afin que tu l'utilises. Je vous préviens qu'ils se distingueront toujours. Leur prière de consécration va être toujours suivie de la démonstration de la puissance de Dieu. La deuxième qualité d'une prière qui provoque la gloire de Dieu, c'est la prière faite dans le cadre de l'alliance et du combat contre les puissances des ténèbres. Nous prions sur base des engagements que nous avons pris avec Dieu. Quand vous lisez la prière de l'église primitive dans Actes chapitre 2, chapitre 2, Actes des apôtres, les chrétiens ont prié et la Bible dit que la terre a tremblé. Mais leur prière était faite de quoi? Lisons ça rapidement. Actes chapitre 2. Vous devez faire ce genre de prière. Si vous voulez voir la main de Dieu retentir dans votre vie. Et moi je crois que les temps qui viennent, les temps qui viennent, je dis bien les temps qui viennent, quelque chose va changer dans la vie de la génération. Quelque chose va changer dans la génération actuelle. Et comment que bon voilà. Actes chapitre 2. Misala Bantoma. Je m'excuse, c'est pas le chapitre 2. Chapitre 4. Chapitre 4, Actes des Apôtres, à partir du verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent
auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier en disant: Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre, dit ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue que Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils ont fait accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Quelqu'un peut dire amen. Dans cette prière, ils se sont basés sur l'alliance que le peuple avait avec Dieu. Mais comme vous le voyez, c'était toujours dans le cadre de la mission. Oh, si tu t'engages pour Dieu, tu feras la prière. Une prière missionnaire. Et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Même un simple serviteur d'Abraham. Il est allé en mission. Va chercher une femme pour mon fils. Il a fait la prière. Seigneur, pour la réussite de ma mission, que la fille qui me donnera à boire et qui donnera aussi à boire soit celle-là. La prière était cadrée dans le cadre de la réussite de la mission et que tout obstacle à la réussite de cette mission devait se buter à l'intervention de Dieu lui-même. Et Dieu se glorifie en intervenant en votre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va t'aider à garder ton poste dans ton entreprise, ce n'est pas la qualité de ton travail seulement. C'est ce que tu fais pour Dieu là où tu es. Parce que si tu ne tiens compte que de la qualité de ton travail, plusieurs aussi sont plus intelligents que toi et peuvent faire ce travail mieux que toi. Et même là où tu ferais le travail mieux que les autres, tu auras des jaloux. Tu auras des jaloux. Ils peuvent te mettre des pièges. Mais si tu es là comme témoin de Dieu, si tu es là comme missionnaire et que tu pries pour les lieux et que tu parles de lui aux gens et que tu touches les autres vies, Dieu agrée ton travail. Là où on te combat, il interviendra lui-même. Il pourra parler à d'autres personnes. Ce n'est pas seulement la qualité de ton travail physique qui va compter, mais parce que tu tiens compte des intérêts du royaume. Je suis en train de te dire que quand tu prieras dans ton bureau, parce que tu fais les intérêts de Dieu, quelque chose se passera. Je dis bien quelque chose se passera. Je dis bien quelque chose se passera. Parce que tu es là pour les intérêts de Dieu. Et ta prière est en train de combattre tous ceux qui sont contre les intérêts de Dieu. Dieu est capable de se défendre.
Mais toi, tu es sur le terrain. Donc sa défense va passer par toi. Vous savez, quand vous avez déjà une mission claire, et vous avez un mandat clair, Dieu vous donne la liberté. C'est comme Jonathan est en train de dire ici. Il disait que tu peux donner ton chauffeur, tu peux lui demander de déposer les enfants, mais c'est lui qui prend l'itinéraire. Lui-même décide d'accélérer, de courber. Il a une certaine marge de manœuvre. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça sur le terrain. Quand tu sers Dieu, il te donnera ce pouvoir-là. Et quand tu vas prier, tu sais que le pouvoir est là. Tu as une marge de manœuvre. Tu sais qu'il est avec toi, et tu peux parler de n'importe quoi à ce niveau-là, en disant même que certaines choses doivent arriver, ça arrive aussi. Je me rappelle un homme de Dieu au Nigeria. Je lisais son témoignage. Dieu lui a demandé de construire un grand centre de formation avec une église. Alors pendant qu'ils étaient en train de construire, les chefs de tribus et de quartiers là ont envoyé des bulldozers pour renverser ce qu'il était en train de construire. Alors il s'est tenu devant le bâtiment, devant le bulldozer qui arrivait. Ils étaient debout. Il dit, si c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé, démarrez et puis traversez, passez-moi et puis passez. Le monsieur, il démarre, il meurt lui-même là au volant. Là, le premier jour que j'ai entendu Benson Idahosa prêcher, je me suis demandé si jusqu'à ce jour-là j'avais la foi ou pas. Je me suis posé cette question. Nous sommes en 1990. Je l'entends parler. Il est en train de parler de la foi. Il parle de ça, je dis, mais est-ce que moi jusqu'à aujourd'hui j'ai cru ou pas? Vous savez, dans son église, là, le courant part, il renvoie le responsable de la SNEL commis à ce travail-là ce jour-là. Dans son église, le courant part, comme ici, le courant part. Le chargé de la SNEL qui devait travailler pour que le courant soit, comme il n'a pas fait son travail, il va partir. Et il est licencié. Attends, il va conduire à SNEL. Dans un pays où des fois les musulmans s'élèvent pour tuer copieusement les chrétiens, ils s'élèvent alors que le pays voulait changer pour devenir musulman. Il dit, je n'ai ni armes ni armée. Ce gouvernement, si ça prend la décision, ils seront des missionnaires. Alors un jour, nous étions là. Il dit, je sens quelque chose pour les Zaïre. À un moment où je suis en train de vous parler ici, le pouvoir qui dominait sur ce pays-là est détruit. Et nous étions à trois à crier, Amen. Je me rappelle, Tambouloko qui était là, Sonny Moukwenz était là. On a crié, Amen, les Andéas, Zahirien, Zahirien. Quand il nous a appelé, il dit, vous êtes des Zahirois. Recevez la puissance. Hein? Je vais vous dire ce qui s'est passé après. Si vous priez en fonction de la mission, votre prière va toujours provoquer la part de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez comme gloire lorsque vous priez pour le pain? C'est normal, Dieu nourrit les oiseaux, il peut vous nourrir. Mais si vous devez prier,
pour que le prince des ténèbres quitte votre chemin et que vous puissiez briser l'esclavage de la famille et sortir de toute forme de lien qui t'identifie à tes membres de famille. Ça, Seigneur, je suis ton témoin, je suis ton missionnaire dans ma famille. Sors-moi de tout ce qui est négatif qui les caractérise afin que je sois différent et que ma vie soit différente et que je devienne la référence. Ça, c'est une prière que Dieu a exaucée dans ma propre vie. J'ai dit bien, il a exaucé dans ma propre vie. Si vous venez d'un endroit qui n'a aucun nom, vous pouvez donner le nom à cet endroit. Oh, moi je prie. J'ai déjà prié. En fait. Que tu fasses une prière ce soir. Et que quelque chose se passe dans ta vie. L'église primitive a prié. Ils ont demandé à Dieu. Ils n'ont pas demandé de protéger, non, de donner la puissance afin que ceux qui prêchent, prêchent encore davantage. Au travail, on se moque de toi, tu fais encore davantage. En famille, on se moque de toi, tu multiplies davantage. Et pendant que tu multiplies ta force et tes prières davantage, tu es en train de provoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Bientôt, elle va remplir les aspects de ta vie. La troisième chose, c'est une prière de discipline et de soumission au plan de Dieu. La gloire de Dieu ne s'obtient pas comme le café. Tu branches quelque chose rapidement, l'eau a chauffé, pif paf, et tu as pris. Non. Remarquez, les disciples avec Jésus ressuscité, il leur dit, ne quitte pas Jérusalem. Restez en place. Continuez à prier. Jusqu'à ce que vous receviez le secours qui vous viendra d'en haut. Ils étaient là, en train de prier. C'est plus tard qu'ils ont compris que ça a pris 40 jours. Parce que ça devait être dans les 50 jours après la résurrection de Jésus. 40 jours. Ils ont compris ça plus tard. Mais ils étaient là. On leur a interdit de ne pas quitter Jérusalem. En d'autres termes, monsieur Pierre, Peter, tu ne vas plus aller faire la pêche. Pendant un temps, tu vas rester quelque part ici. D'intercéder jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens sont restés dans la ville. Ils ont commencé à prier. Ils pouvaient sortir, faire des petites courses, mais ils sont restés dans la ville. Ils sont restés en train de prier. Ils ont persévéré, ne sachant pas quel jour ça devait arriver. Mais un jour, la ville entière a été bousculé à cause de leur prière. La ville entière a été bousculée à cause de leur prière. La gloire de Dieu s'est manifestée. Le Saint-Esprit est arrivé. Un vent violent a soufflé. Les flammes étaient sur la tête de chacun. Ils ont persévéré. Ceux qui sont partis sont partis. Bien-aimés, vous voulez la main de Dieu et la gloire de Dieu. Bien sûr, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi vous aimez beaucoup trop prier? Oui, ça dépend de la soif de chacun. Moi, j'ai un objectif que je ne vois pas encore. Je dois négocier avec celui qui m'envoie en mission. Parce qu'on dirait que je ne vois pas clair. Il m'a dit que ceci arriverait, je ne vois pas ça arriver. Je dois passer du temps avec lui pour vérifier pourquoi telle chose qui peut arriver n'arrive pas. Et vous me dites de parler pendant 3 minutes.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de une équipe de... C'est toujours des Nigériens, là. Ils sont terribles, ces gens. Bon, je ne vous dis pas d'aller faire ce genre de choses. Si vous, eux, ils organisent des camps de prière, des camps de formation pour la prière. Si vous allez là-bas, ça prend, je crois, 14 jours. Vous allez là-bas, vous allez sortir de la ville, vous allez dans un lieu perdu. Vous ne sortirez pas là si vous n'êtes pas en mesure de prier pendant 5 heures du temps sans vous arrêter. On ne va pas vous sortir de là. Il y a des gens qui vont vous surveiller depuis que vous étiez là. Seigneur, c'est 11 heures. À 12 heures, tu sors, tu n'es pas encore. Tu vas retourner. 12 heures, moi, avant, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu seras en mesure de prier pendant 5 heures d'affilée. Alors, ils te donnent le brevet. Sinon, tu ne seras jamais breveté de leur école. Le test, ce n'est pas des examens écrits. C'est la prière pendant 5 heures du temps. Je ne pense pas que je vais aller là-bas. Mais ils le font. Et les gens sortent de là. Ils vous prennent du temps de prier. Toi, tu es en train de bailler. Ça, c'est comme ça que Dieu leur a montré les choses. Mais je vous dis bien dans le Seigneur, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, faites des prières disciplinées selon ce que le Seigneur vous demande de faire. Si la prière, c'est un temps que nous passons avec Dieu, qui vous dit que c'est en ce moment-là qu'il veut que vous arrêtiez? Est-ce qu'il vous a dit ça? Il a dit, bon, maintenant on peut arrêter, on peut partir. Dans quelle conversation vous parlez avec quelqu'un? Lui, il vous attend. Et vous partez. Il faut aussi avoir un aval. Non, je n'ai pas besoin d'amen. Aujourd'hui, c'est vraiment... Notez ça parce que... Comment yango? C'est ça que vous devrez commencer à faire. Yango ne sengeli na yo kusala.